cette nouvelle vidéo. Du coup, dans cette vidéo, il y a encore et encore et encore des travaux sur le camion. Et voilà, on s'arrête jamais. Mais bon, comme dirait un ami à moi, vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois et être sûr de ce qu'on fait que de bâcler les choses et de faire vite pour être emmerdé derrière. Enfin bref. Et du coup, on est aussi allé récupérer le poêle à bois. Donc on va faire le début d'installation. Je vais également modifier mon plancher vu qu'il grince et que je déteste ça. Et après, un petit peu de tout. C'est tout. Voilà. Bon, vous verrez. Allez, bonne vidéo. Alors, je suis en train de décaper. Voilà, ça se voit que j'ai commencé à bien faire. Parce que c'est comme ça. Donc, je décape tout. Pour traiter contre la rouille. Et à regraisser. Voilà. Voilà. Après avoir tout démonté. On s'est remis pain. C'est nickel. Bon, qu'est-ce que tu fais, Benny? Ouais. On enlève une crotte de nez. C'est pour mieux respirer la poussière? Ouais. Lève ton pied. Ah oui, pardon. Non, mais je lui dis lève ton pied parce que je viens de finir ma marche. C'est beau, ouais. Alors, bah, j'ai acheté une planche d'OSB qui est là-bas. Pour faire le plancher. Et du coup, bah, je m'apprête à doubler mon plancher. Donc, je viens de démonter ce meuble. C'est ça, le constructeur de van, aménagement de van. Tu passes ta vie à démonter et monter. Hein. Mais on parle de meubles. Pourquoi tu parlais de quoi, toi? Enfin, tu sous-entends. Sous-entendez quoi? Bah, tiens, à part les meubles, je démonte pas grand chose. Voilà. Ouais. Ouais, t'es parti pour tout démonter. Hein. Bah, en fait, ça va dépendre combien de fois en largeur ma planche. Je crois qu'elle fait 1m20. Bon, c'est toujours le bordel chez moi. 1m20. Ça veut dire que je peux pas faire en un seul bloc. Parce que. Oh! 1m20, t'es un. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que là, elle rentre nickel. Et qu'il va falloir que je fasse. Là. Je fasse un dessin. Évidemment, il n'y a pas de soucis. C'est normal, un petit peu, non? Faut voir combien elle fait de bois. Je crois qu'elle fait 2 mètres. C'était pas 2,40 ou... 2,40. Ah, tu vois. Si c'est pas, tu me demandes. Elle fait même 2,44. Bah, elles font jamais les découpes. Alors. Est-ce que je peux glisser 2,44 entier? C'est le bordel partout chez moi. Ça va pas mal, c'est du bordel, mais nous. La glissière, c'est toi qui m'as cassé le truc. Ouais. Non, tu dis. Tu veux une claque? Il faut qu'Audrey que tu ailles dans la casse à outils me chercher le tournevis d'électricien, s'il te plaît. C'est transparent, tu sais. Je vois. Vas-y, bouge. Est-ce que ça tient? Non, il est en pause. Ouais, je mets. Je l'ai pas trouvé, alors je t'ai pris ça, c'est bon? Allez, là, on tourne. Tiens. Tu me fatigues. Il est tout tourné. C'est ça? C'est mort. Alors, on va péter la capsule. Oh, pardon. Attends, je vais passer la tête. Quoi? Non, j'allais faire des blagues nulles.
T'allais parler de la levrette? Non, de rentrer la tête, t'as dit. Avec ton tournevis, là, je sais pas ce que tu faisais, moi. Emma, qu'est-ce qu'il y a? Ça ferait quand même vachement du bien si tu fermais ta gueule. Chut, t'es si grand. Allez, tiens, prends ça et va-t'en. Non. Va-t'en loin. Je peux pas, j'ai les mains prises. Je peux pas, j'ai les mains prises. Non, mais stop. Oh, ça va. Tiens, il y a deux poignées exprès pour toi. Faut pas rigoler avec les benchies. Aïe. Qui te filme. Alors déjà, tu te mets droite pour enlever les vis. Merci. Eh, ta vis, elle était pas droite quand elle était déjà. Ta sœur est droite. J'ai pas de sœur. Ah oui, c'est enfin, si, mais non. Pas de sœur. On compte pas les belles sœurs dans les sœurs. Enfin, dans le sens où tu traites pas mes belles sœurs. Alors, ça voudrait dire que tu traites aussi ta sœur. Non, moi je traite personne, je suis bio. On est dans de la blague. Aïe, attends. Bêtise. Ah non, elle est là. Bêtise. Et tu ne casses rien, ne perds rien dans mon lévis. C'est... Ah oui, bonjour. Ouf. Il y avait les couches d'Isaac là-dedans, non? Il y a du pain sec pour Link. Pain sec. Putain, il est tellement sec que je le jette, il explose. Tiens. Aïe. Où est-ce que tu veux que je te pose ça? Là? Une réponse, ça ne va pas te plaire. Non, pas dans CUL. Regardez, j'ai les piscines d'Isaac. C'est tonton Bob et tati Marie. Qu'en faire? Je vais m'y mettre dedans. Je vais faire des toboggans. Mettez-toi donc. Oh, je croyais que c'est moi qui avais cassé un truc. Tiens, tu ne verras pas de pain dans la porte de la poubelle. Je suis pas là. Un de ces quatre. Un de ces quatre matins. Un de ces quatre jours. Ouais, mais je sais qu'il a dit pas de soucis. Envoie la spie, s'il te plaît. Il sait que, voilà, il n'y a pas des escrocs. Oui.
Qu'est-ce que t'as pêché, bébé? Bon, du coup, j'ai refait mon plancher doublé. Et ça grince quasiment plus. Bon, ça grince toujours un petit peu, mais comparé à avant, c'est minime. Donc maintenant, il me reste plus qu'à acheter. De toute façon, le lino nous plaisait pas. On l'a laissé en dessous pour une question d'étanchéité, vu qu'il était extrêmement bien posé et jointé. Et en cas d'infiltration, comme ça, on aura juste à changer ça et pas toute la dalle. Salut les copains! Bon. On n'a pas fait de suivi de vidéo par la suite. On a une vidéo qui sortira vendredi, c'est demain. C'est aujourd'hui, vendredi. Ah merde, ça sera pas pour aujourd'hui. Ça sera pour demain. Même toi, tu rigoles. Et donc, on est allé du coup acheter le sol. Il nous manquait le sol à acheter parce que j'ai refait le plancher, du coup, comme j'ai montré sur la vidéo. Et donc là, j'ai acheté des lamelles de PVC pour mettre par-dessus. Et voilà, quoi de plus. J'ai acheté aussi de quoi refaire la marche, enfin un peu du matos. Et là en fait on va prendre la route direction Privas pour aller chercher le poêle à bois pour le camion. En espérant que ce soit bon. Normalement mes mesures elles sont assez bonnes. Donc on va voir si ça le fait. C'est un petit poêle à l'ancienne. Donc on va voir ça. Allez, à tout à l'heure, bisous. Mais est-ce qu'il est pas beau mon camion? Regarde ça. A de la gueule, bébé. A de celle, bébé, là. Bon, le M, ça va bouger. Mette le bus, bébé. Mette les plaques, bébé. Ben, on va pas d'ici. Je sais même pas combien il fait de long, je crois qu'il fait 7,50 m. Mate la plaque. Et les copains, ils sont là. Ah oui, j'ai attrapé un arbre il y a tout à l'heure. Ça se voit. Mate ça, bébé. Oh, il est beau gosse. Oh là là, il est ouvert. Personne n'a laissé les clés. Bon, toute la route d'hier pour acheter cette petite merveille.
parti pour la boîte. Avec, pour ceux qui connaissent en fait, c'est de l'émaillé rempli de pièces de pierres réfractaires. Voilà. Voilà. Avec. Hop. Là où on récupère la cendre. Là, il manque un petit truc. C'est marrant parce qu'on dirait du plastique. Mais ça doit se remplacer, ça. Après, c'est pas super important parce que on va peut-être refaire le jonc d'étanchéité là et encore parce qu'il est encore mou. Donc là, on a la petite pelle pour ramasser les cendres à l'intérieur. Et là, on a la petite langue qui va bien, qui est super jolie. On va le nettoyer. Il est d'un vert splendide. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Il est magnifique. Donc tout à l'heure, on va le faire tourner. Ah oui, donc alors, une fois qu'on ferme, là il y a l'ouverture d'air. Vous voyez, pour gérer l'intensité, quoi. La reprise des flammes. Les charnières sont en bon état. Et là, on a le truc pour vider, enfin pour secouer un peu les cendres, pour que ça aille dans le petit bac en dessous. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que pour un vieux, on a quand même une sortie standard en 80. Donc je vais pouvoir trouver la tuyauterie adéquate. Voilà. Bon, aujourd'hui, on fait du propre dans le mobilhome. Hier, j'ai taillé les. Oh, que c'est joli. Et c'est le bordel, donc il faut... Regardez comme elle est bien taillée, celle-là. Elle est belle. Il faut ranger tout ce bordel, tout ce souk-là. Et en fait, j'ai commencé à faire le rotofil. Sauf que j'ai plus de fil. On est content. Du coup, j'arrête. Et du coup, je vais reprendre un peu dans le camion. En attendant de pouvoir faire le rotofil. Et du coup, dans le camion, je vais poser mon sol. Je vais poser mon sol et mes plaques d'alu. Enfin, remonter ma poubelle du coup à l'entrée. Mes plaques d'alu pour accueillir le poêle à bois que je vais fixer. Et après, on verra. Parce que c'est déjà beaucoup. Bon, il fait une chaleur de fada. Donc, mon sol est posé. Et franchement, ça a de la gueule. C'est joli. C'est plus joli que le blanc. J'ai fait mon coin de marche. J'ai mis la poubelle finalement de ce côté. Là-bas, j'ai commencé à mettre mes tôles pour le poêle à bois. Et le sol, c'est vraiment beau gosse. Regarde ça. C'est beau gosse. Donc là, petit espace pour le poêle à bois. Et la prochaine vidéo, du coup, il y aura le poêle à bois dedans. Et quelques trucs, et le changement du chauffe-eau, tout ça. Bon, voilà, on essaie d'avancer petit à petit. On va pas faire non plus des vidéos de 2h30. Mais voilà, j'avais montré aussi là, que j'avais fait toute la marche, nickel. Commence à avoir de la gueule. Voilà. Alors, j'explique juste ça vite fait. Quand on met un poêle à bois, qu'on met une tôle, on laisse un jour. Voilà. 2 cm. Moi, j'ai laissé 2,5. C'est la meilleure isolation pour éviter que le mur chauffe. Surtout si on a du bois. Donc là, il me manque la tôle qui vient là et la tôle qui vient là. Mais après, c'est pas non plus... Ça chauffe pas non plus comme une folle, mais c'est un petit poêle, mais bon, c'est bien de sécuriser quand même. Et du coup, après, moi, en haut, je vais prendre du tuyau doublé, isolé. Et voilà. Là, c'est joli quand même, ce sol-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça va quand même vachement bien avec tout. Bon, là, c'est le foutoir. Hein. Je suis en plein bordel. Voilà.